Bienvenue au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, ce musée qui a été fondé en 1802 par Bonaparte et qui compte aujourd'hui plus de 20 000 œuvres qui retracent l'histoire de l'art, de la Flandre, de la Belgique, depuis le 15e siècle et l'apparition d'un sentiment d'identité nationale avec l'État bourguignon jusqu'aux créations les plus contemporaines. 20 000 œuvres qui sont des œuvres de grande qualité, de réputation internationale, qui retracent une histoire, mais aussi une histoire à partir d'un point de vue qui est ici, depuis Bruxelles, depuis cette capitale de la Belgique, qui est aussi aujourd'hui la capitale de l'Europe. Dans ce contexte, nous avons voulu développer une activité pionnière dans le domaine des nouvelles technologies. Nous avons déjà mené pas mal de campagnes dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape avec cette installation d'une digital experience dans le cœur même du musée, dans le forum, ici, derrière moi, avec quatre tables digitales qui vont permettre aux visiteurs de s'immerger dans les collections et de découvrir des photographies, des documents, des informations scientifiques et aussi tout le travail fourni par les équipes scientifiques pour mieux connaître et donc pour mieux comprendre cet art du passé qui forme et fonde notre identité présente. Cette digital experience sera aussi une forme de work in progress puisque nous allons en permanence l'enrichir de nouveaux documents, du résultat de nouvelles recherches qui permettront à chaque visite d'aller un peu plus loin dans la compréhension du musée. Je vous souhaite une excellente visite de ce Digital Museum, une bonne expérience digitale, une belle immersion dans le musée et je vous souhaite énormément de plaisir au contact des œuvres, mais aussi de tout cet appareil didactique que nous vous offrons désormais au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique.